Coucou. Bon, je suis en train de m'installer. Là, je viens de me primer. J'avais envie de. Vous savez, ça fait un petit moment que j'avais acheté ces crayons-là. J'ai déjà fait pas mal de petits coloriages que je vous avais montrés. J'avais fait un mandala, j'avais fait un chat, Je m'étais même acheté un bouquin pour faire des coloriages, mais il est assez compliqué. Mais enfin bon. Et puis là, j'ai dit, je vais sortir mes crayons pour me reposer un petit peu. Et j'ai dit que de rester à rien faire, quoi, que je vous ai tourné quand même plusieurs vidéos là, que vous allez voir à la suite. Enfin, à la suite ou pas à la suite, je ne sais plus. Et puis, ça, je pense que c'est un beau. Je crois que la chouette, elle a pas, d'après ce que j'ai vu sur Internet, hein, forcément, j'ai regardé. Ça serait un hibou. Bon, un hibou un peu, vous n'en voyez pas beaucoup des comme ça. Mais parce qu'il y a des fleurs, en principe un hibou il n'a pas de fleurs, vous voyez, il y a des petits cœurs, il y a tout ça. Mais je vais le faire à ma façon. Donc ce que je vais faire, je vais sortir les tons, je pense que je vais sortir dans les tons marron. Attendez, j'ai ça. Je pense que j'ai des petits. Attendez, celui-là vient de partir. Voilà, on a voir la démarrons. Elle est bien cette boîte, je l'avais achetée sur Amazon et je trouve qu'elle est super bien. Donc je vais vous montrer ce que c'est, mais je crois que je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. C'était cette boîte-là que j'avais achetée. Et les crayons sont super bien. Hein. Franchement, voilà. Donc, je vais garder cette boîte-là avec moi parce que je pense que ça va être les tons que je vais utiliser. Peut-être que j'utiliserai d'autres tons, mais... Je vais me les garder à côté de moi quand même. Avec 72 couleurs, je pense que je peux faire quand même quelque chose. Et je pense que je vais démarrer ici, toutes ces petites plumes là, en marron. Il fallait que je me sorte un papier, j'en ai à côté de moi là. Pour voir un petit peu les couleurs que c'est. Peut-être celui-là. Ouais. Oui, je vais essayer comme ça. Bon, je n'ai pas tout colorié avec vous. Hein. Je vais déjà faire peut-être cette partie-là avec vous. Puis après, je couperai, je ferai autre chose et je vous reprendrai parce que je n'ai pas... ça tourne, oui. Voilà. Donc, je vais faire déjà ces parties-là. Je pense, ouais. Écoutez, ils sont super ces crayons. Moi, j'aime bien parce qu'ils ne font pas trop de marques. Vous savez, au moment que j'avais acheté ça, j'avais aussi acheté un beau taille-crayon d'ailleurs, que j'ai là à côté de moi. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas besoin puisque mes crayons sont assez pointus. Mais par contre, je vais peut-être mettre quelque chose en dessous là, parce que ça me... Il y a des marques sur mon truc là. Voilà. Je me suis préparé un petit thé au citron. Bon. Je ferai peut-être pas tout parce que j'ai une recette à faire ce soir que je vais sûrement filmer aussi. Oui, mais je redémarre. Hein, on arrive au mois de juin. J'ai dit que j'allais redémarrer au mois de juin. Puis, comme je me sens un peu mieux, hein, je touche du bois, je touche ma tête, je me sens un petit peu mieux. Et bien, ça me donne envie de faire des petites choses. Et puis, j'ai dit ben, pourquoi pas faire cette partie-là. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, je me demande comment je vais faire les fleurs là parce que enfin, je vais voir après. Je vais essayer d'adapter un petit peu. Vous voyez, ça fait pas trop de marques. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, enfin au téléphone. Parce que je dis la caméra, mais c'est mon téléphone. Hein. Vous savez, je voudrais trouver. Parce que je me souviens quand j'étais gamine, alors. Ça date, hein. Ça date, ça date. On coloriait comme ça et on avait du buvard et on passait et ça atténuait bien les couleurs. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. On passait du buvard dessus et ça étalait la couleur. Là j'appuie à peine, hein. Vous voyez, j'appuie à peine, ça fait, on voit bien là, il laisse pas de marque.
J'essaye de pas trop appuyer, puis je fais, j'essaye de, vous voyez, je suis partie en appuyant un peu plus là, moins, moins, et plus ça va, moins j'appuie. Donc, je sais pas si ça va aller ce que je veux faire, mais ça devrait. J'ai essayé de faire un dégradé. J'aurais pu commencer plus foncé ici, et enfin, je vais voir. Qu'est-ce que j'ai pris là? Moi, j'en ai encore des plus foncés, donc c'est bon. Bon, faudrait 1, 2, 3 encore. 3, 1, 2. Ouais, mais ça peut le faire. Je vois. Je sais pas, hein, j'ai sorti ça comme ça. J'ai regardé, il y a plein de modèles de mandala et tout. Puis je suis tombée là-dessus. Je suis bah tiens. Pourquoi un hibou? Allez savoir. Alors j'étais sur. J'étais dans images chouettes. Et j'ai vu que les chouettes, elles étaient toutes lisses ici. Elles n'ont pas assez. Leurs oreilles, là, c'est pas des oreilles, mais leur cornes, leur. Je sais pas quoi, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je sais pas. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Voilà. Donc, je vais faire l'autre côté pareil. Et puis, quand je reprendrai une autre couleur, eh ben, je vous reprendrai. Et ben voilà, j'étais bien partie à colorier, je vous ai oublié. Bah oui, ça c'est tout moi. Hein. Voilà. Et d'un seul coup, je dis, mais ah, je ne les ai pas repris. Donc ben, pour l'instant, j'ai fait ça. Donc, et ben, je vais faire. Là, j'étais en train de faire ça. Donc, je vais faire pareil. Donc, je reprends le marron que j'ai pris. J'ai pris plusieurs marrons. Hein. Je fais le tour. Hein. De toute façon, comme je vous dis, je ne vais pas tout faire avec vous. Hein. Mais je vous ai complètement oublié, hein. J'étais partie dans mon truc là. Puis d'un seul coup, je me suis dit, oh, mais en fait, je ne filme plus. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je ne vais pas tout, comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas tout filmer avec vous. Parce que ça serait un peu. Vous allez vous endormir, hein, je vais vous faire de l'ASMR là. Donc là, ouais, j'ai envie de mettre des couleurs quand même, parce que je ne vais pas faire tout en marron. Comme c'est un peu. C'est pas la réalité. Hein. Là, j'ai pris un vert assez foncé, un vert, je sais pas lequel que c'est. Hein. Le 26, je sais pas. J'ai marqué, mais je sais plus. Qu'est-ce qui est marqué pour le 26 là? De toute façon, vous n'aurez peut-être pas les mêmes crayons, donc ça ne voudra rien dire. Le 26, c'est le Moss Green. Moss Green avec ça. Donc je fais, et puis après les petits ronds à l'intérieur, là, je vais les faire peut-être en noir, je pense. Il y a des petits ronds. En noir, ou je sais pas. Ouais, peut-être en noir. Là, j'ai fait aussi ces pattes. Par contre, il y a des petits cœurs. Et les petits cœurs, je ne sais pas du tout comment je vais les faire, les petits cœurs. Est-ce que je vais pas mettre des petits cœurs rouges? Ça serait pas. Je pense pas. En moins que, je ne sais pas. Donc, un noir. C'est celui-là, je crois. Je vais mettre. Voilà. Parce que ça va vous endormir si vous me regardez. Comment? Colorier. Ça endort. Donc je vais boire quand même mon thé parce qu'il va être froid. Et là, ici, je vais reprendre du marron, je pense. Je vais reprendre du marron comme ça. Il fait un peu rouge celui-là. Oui, celui-là. Il va même falloir que je le retaille, celui-là. Je sais pas pourquoi j'étais choisir un hibou. Je regardais, il y a plein de formes, hein, il y a des formes, j'ai tapé image mandala,
Et je suis tombée sur celui-là. Enfin, il y en avait d'autres, hein. Il y avait des modèles, ça ne ressemble pas à un animal, ça ressemble à rien du tout. C'est des traits dans tous les sens. Et puis j'ai dit, ben non, tiens, je vais prendre celui-là. Ah, je sais pas. J'ai des progrès à faire, c'est sûr. Mais déjà là, ça ne me déplaît pas trop. Alors par contre, là, toutes les petites fleurs, là, je vais les faire je pense en rose, en rose, en rouge, pour que ça ressorte. Ça, je vais le faire en jaune. Oui, je pense que je vais faire ça. Là, j'ai quoi comme couleur là? Je pense que je vais faire, bah celui-là, j'ai déjà dû m'en servir. Je vais faire tous les cœurs en orange. Ouais. Vous avez déjà vu des hiboux avec des fleurs sur le ventre? Ils sont rares ceux-là, hein. Il faut bien les chercher, hein. Après, là, j'ai plein de petits décors à faire dans la tête. Mais je ne vais peut-être pas tout faire ce soir. Je continuerai demain parce que là, je voudrais faire ma recette aussi. Là. Ici. Peut-être en mettre là du orange. On va le colorer, ce hibou. Il va être tout gai. Si vous voyez, si vous voyez. Voilà. Par contre, les cœurs dans. Là, ici, je vais faire du bleu, hein, dans l'œil. En attendant de savoir ce que je vais faire là, parce que pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire. À moins que je fasse déjà une petite fleur rouge. Est-ce que celui-là, il serait bien? On va voir. Ouais. Il est pas mal, hein? Ouais. Je vais en faire une déjà. On verra après. Oh, c'est pas tellement rouge, hein. Ouais, ça ressemble plus à du orange foncé, ça. Bon, bah maintenant que j'ai commencé celui-là, je vais le faire, hein. Et puis là, je vais couper et puis je reprendrai une fois que j'aurai fait un peu plus. Et voilà. Donc, je coupe et je reprendrai plus tard. Hein. C'est que vous êtes. Bah. Voilà. Bon, j'en ai déjà fait une partie. Déjà fait ça pour l'instant. Voilà. Attendez, bon, vous êtes de travers en plus. J'ai toujours pas fini mon thé, il est froid, mais bon. Là, j'ai fait toutes mes petites fleurs. J'ai encore tout ça à faire, tout ça à faire, tout ça à faire, tout ça à faire. Mais je pense que je vais m'arrêter. Enfin, je vais peut-être encore faire un petit peu. Et je vais vous publier déjà ce que j'ai fait. Et après, je ferai l'autre partie demain, je pense. Je vais continuer un petit peu avec vous. Je ne sais pas combien de minutes j'en suis. Là, je vais faire son bec. Je vais le faire noir. Voilà. J'ai fait ses yeux bleus. Oui, mais il n'y en a pas partout des hiboux comme ça, hein. Coucou le hibou, Et là, ici, comment je vais pouvoir le faire un petit peu plus foncé? Je vais appuyer peut-être un peu plus. Si j'appuie un peu plus, ben voilà. Si j'appuie un peu plus, ça peut le faire. Voilà. Un petit peu là.
sais pas trop quelle couleur que c'est, un hibou, hein. C'est dans les tons gris, marron, mais celui-là, il est pas... Il n'y en a pas partout de ceux-là. Les hiboux de cette couleur-là, il n'y en a pas partout. Ici, j'ai envie de faire dans les tons verts. Je vais essayer de faire dans les tons verts, mais alors quel vert? Ouais. Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que ça donne ça? Est-ce que ça va aller? Je vais faire... Alors, il y a une, deux, trois couleurs. Il me faut trois couleurs. Celui-là. On va prendre. Bon, ça se ressemble. Hein. Ça se ressemble et ça se ressemble. Celui-là. Ils se ressemblent tous. Hein. Ouais. Celui-là. Bon. Allez, on va voir. Je vais garder celui-là, celui-là. Et je vais en prendre un plus clair. Comme ça. Ouais, on va faire ça. Je vais faire. Voilà, comme ça. Ah bah oui, là j'y mets de la couleur, hein. Ça va quand même assez vite, hein. C'est pas... Je vous parle pas trop, hein. Je fais ça. Là. Donc ici. Je vais en faire autant. Alors les pros en coloriage, hein, ne me... Soyez indulgente avec moi, hein. Je suis pas comme je vous ai dit dans les autres vidéos que j'ai fait en coloriage, je suis pas une pro en coloriage, moi, hein, du tout, du tout. Voilà, celui-là, il est fait. Ensuite, je vais mettre celui-là. Ouais, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais ça se voit comme... C'est comme dans les bleus, j'ai mis deux bleus. Non, même trois, parce que le cœur, je l'ai, le petit cœur là, je l'ai fait avec un autre bleu. J'ai mis trois couleurs. Trois sortes de bleus. Mais ça se ressemble, mais quand une fois que c'est passé... On voit que c'est pas les mêmes couleurs quand même. Voilà. Après, je vais reprendre mes crayons, puis je vais les tailler parce que ça comment? Ça reste pas pointu longtemps. Mais bon, ça va quand même. Là, je me demande ce que je vais faire là. Je ne sais pas. Je voulais pas faire tout marron, parce que ça aurait été un peu terne quand même. Donc j'ai dit, je vais mettre des couleurs. Un hibou plein de couleurs, c'est joli aussi.
Hop. Et hop, celui-là, il est fait. Je vais le garder quand même. Avec celui-là, je ne sais pas si c'est celui-là que j'ai pris tout à l'heure. Je ne sais plus. Je verrai. Et les autres, là, à l'intérieur, je vais le faire un peu plus clair. Hop. Ouais, ça ressort, hein, c'est pas mal. J'aime bien, moi. Bon, je ne ferai pas ça tous les jours, hein, mais de temps en temps. Après tout, j'ai tous mes crayons. J'avais acheté pas mal de feutres, mais je préfère les crayons. J'avais acheté de l'aquarelle aussi. Mais il faut que je me rentraîne à l'aquarelle. C'est pas encore... c'est pas encore ça. Là, ici, quelle couleur je pourrais mettre? Ah, peut-être du vert, ça ressortirait avec ça. Avec ce vert-là. Ce vert-là ou l'autre? C'est lequel déjà, celui-là? Allez, on y va. On se lance. Je ne vais pas trop appuyer. Je vais dire tube. Je le sentais venir celui-là. Vous savez pas, je vais vous publier déjà ça. Et demain soir, je vous ferai le reste. Ouais. Je vais vous publier cette partie-là pour 6 heures. Et demain, je continuerai avec vous, parce que là je voudrais j'ai une recette à faire. Ouais, mais c'est pas mal, hein. Ouais, vous savez ce que je vais faire, je vais vous publier déjà cette partie là que j'ai fait, et demain je finirai toute cette partie là avec vous. Voilà, donc là je vous laisse et je vous publie ça.